Bonsoir, c'est l'heure de faire un tour d'actualité sur ORTC. Merci à vous qui nous rejoignez. Les prix des denrées alimentaires sont revus à la hausse par les commerçants. La population ne cesse de tirer la sonnette d'alarme dans l'espoir que les autorités gouvernementales réagissent et prennent les mesures qui s'imposent dans les marchés de la capitale. Le constat est sans appel. Je vous propose le reportage de Saïd Magaga, commenté par Hamida Achatamadi. La flambée de prix de produits de première nécessité inquiète beaucoup plus le citoyen lambda. Seuls les commerçants profitent de la situation. Face à un tel calvaire, l'on se demande les mesures qui seront prises par le gouvernement en cas de fermeture des frontières. La population témoigne qu'en cette période, les produits sont en abondance dans les marchés, mais ne sont pas à la portée de leur portefeuille. Jusqu'à la date d'aujourd'hui, un kilo de poisson va jusqu'à 4 000 francs. Et le poisson, jusqu'à 3 000 francs. Les cuisses, jusqu'à 1 750. Les ailes, un kilo jusqu'à 1 500. Là, c'est du jamais vu. On a un pays, on a un gouvernement, on a des ministères, on a des services de contrôle de prix. Donc, on a l'intention que tous ces départements-là sont des démissionnaires. Pour veiller au respect des prix de première nécessité homologués par le gouvernement, le service de contrôle de prix devrait mettre la main dans la pâte, mais en vain. Selon le ministre de l'Économie, le gouvernement ne dispose pas de moyens suffisants de placer des policiers à la disposition de chaque citoyen pour faire respecter les prix. Nous, en tant que ministère du Commerce, nous avons signé un arrêté identifiant les huit produits de première nécessité et on a reconfirmé le prix qui devra être pratiqué. Mais entendons-nous très bien, le gouvernement n'a pas vocation à mettre des gendarmes et des policiers sur chaque commerce. Ça, c'est une mission à la fois de réglementation, c'est ce qu'on a fait, mais ça appartient maintenant aux citoyens de dire clairement et nettement que voilà, il y a tel ou tel commerçant qui fait de la spéculation ou qui ne respecte pas le règlement. Un carton d'ail de poulet à 15 000 francs. La farine qui fait défaut jusqu'à ce que le boulangerie rationne la population 5 pains par jour. Cette cherté de la vie plonge la population dans la famine. Notons que les agents du service de contrôle des prix ne répondent toujours pas à l'appel des citoyens. Clôture ce samedi à Moroni d'une formation sur l'économie informelle organisée par l'Institut national des statistiques et le programme des Nations unies. Cette séance de travail avait pour objectif d'encadrer des jeunes enquêteurs pour la collecte des données sur le commerce informel. Reportage de Mohamed Saïd et Ibrahim Mkababo, récit d'Armia Abdou Simba. Après la fin de la formation, des enquêteurs basés sur la maîtrise et la compréhension du bien fondé, des questionnaires sur les ménages. C'est donc le lundi prochain que l'enquête proprement dite va débuter sur le terrain. Des agents vont sillonner des marchés sur les bords des routes et dans les ménages pour une mission précise, collecter des données. L'enquête va débuter ce lundi On a terminé aujourd'hui les 12 jours de formation qui étaient basés sur le questionnaire, comment nous allons poser les questions sur les ménages. C'est un travail qui va durer un mois, mais les difficultés, on peut trouver plusieurs difficultés au niveau des ménages qui peuvent vraiment nous bousculer, comme vous l'avez dit. Mais nos formateurs nous ont bien briefé, nous ont bien expliqué comment faire pour bien... enquêter, interviewer, expliquer aux ménages. Vu la qualité des formateurs, vu la qualité de comment nous avons reçu la formation, j'espère que d'ici un mois, nous en reparlerons du bon travail que nous aurons accompli. Il y a des avantages parce qu'en premier lieu,
on peut identifier notre économie, comment évolue l'économie nationale. Mais aussi au niveau éducatif, les étudiants qui sortent qui veulent sortir de l'université, avant de quitter l'université, il faut que ces étudiants aient des sujets de mémoire. Bon, et ces sujets de mémoire, ils vont chercher les informations de ces sujets au niveau administratif, soit passer par le ministère de l'Intérieur s'ils font la décentralisation, par les finances s'ils font des données de finances. Exemple, un étudiant de l'AES qui veut faire en master l'administration économique et sociale, c'est-à-dire les institutions économiques en master. Donc là, ils sont demandés à faire des recherches, des informations qui sont purement administratives et financières. Le programme des Nations Unies pour le développement PNUD en collaboration avec le gouvernement comorien ne ménage aucun effort pour que les jeunes enquêteurs qui iront auprès des vendeurs sur les marchés et dans les ménages arrivent à recueillir des données dans les meilleures conditions. On avait mis tous les moyens nécessaires pour que la collecte déroule dans les bonnes conditions, pour que l'agent se sente à l'aise au moment de la collecte de données. J'aimerais dire à la population d'accompagner ces agents de collecte pour que la collecte se déroule dans les meilleures conditions, parce que c'est à ce moment-là qu'on aura des bons résultats pour qu'on puisse avoir là où on a des difficultés sur le secteur informel. La formation des agents enquêteurs sur l'économie informelle va sans doute faciliter le déroulement de recherches et de recueillir les informations sur le marché et dans les familles. Les habitants de Moili ont descendu dans les rues ce samedi pour lancer un cri d'alarme face à la recrudescence des violences faites aux femmes et enfants. Une marche pacifique a été organisée par l'association Faina en collaboration avec le service d'écoute. Reportage de Zahri Amadi Kassim et Saifuddin Ahmed. Cette marche pacifique qui a débuté de Komotel jusqu'à Salamani a mobilisé les différentes associations de l'île ainsi que des femmes. Un seul slogan, stop à la violence à l'égard des enfants. Face à des actes barbares, les participants lancent une fois de plus un cri d'alarme auprès de la justice afin de mettre fin aux actes inhumains dont le pays fait face, en particulier les Moïliens. Aujourd'hui, nous nous sommes réunis en faisant cette marche pour marquer, pour montrer le mécontentement des familles, le mécontentement des enfants. Et à partir de là, peut-être, on aura aussi une occasion de faire autres manifestations qui vont appuyer la manifestation, la marche pacifique qu'on a fait aujourd'hui. C'est pour sensibiliser la population, c'est pour sensibiliser les autorités compétentes, c'est pour sensibiliser aussi la justice afin que la justice soit rendue. La lutte contre toute forme de violence est un combat de tout un chacun. Pour y parvenir, la mise en place des comités dans les villes et villages seront un atout majeur. Étant les plus ciblés ces derniers temps, la forte participation de ces jeunes de moins de 10 ans est témoin également de les conscientiser du danger qui rôde autour d'eux. Nous sommes ici pour dénoncer les violences faites aux enfants. Pardon, on est fatigué de tout ça. Moili, à l'instar des autres îles, les actes de violence gagnent du terrain. Face à ce fléau, le changement de comportement et la surveillance des enfants est de mise pour la sécurité de tous. Lutte contre le Covid-19, les tests PCR deviennent un marché juteux. Une information judiciaire est ouverte au parquet de Mutsamudu et 4 personnes suspectées d'avoir fourni des faux tests PCR à des voyageurs sont en ce moment à la prison de Koki. Reportage de Hussein Mahmoud et Félistina Razafisson. L'affaire se murmurait depuis plusieurs jours sur l'existence d'un réseau bien organisé sur la vente des vrais faux tests PCR sans aucune preuve. Il a fallu qu'un voyageur pour Mayotte déclaré négatif en juin, mais positif une fois à Mayotte, mette la puce à l'oreille aux responsables.
Très vite, le comité de lutte contre la COVID-19 découvre le poteau rose une fois investi à la gare maritime de Mutsamidu. Après vérification, plusieurs passagers disposent des tests PCR en bonne et due forme, mais qui ne figurent pas sur la base des données de l'appareil. Une enquête est ouverte. 4 personnes sont actuellement transférées à la prison de Koki après 48 heures de garde à vue à la gendarmerie. On apprend que parmi eux, un personnel soignant, un agent de la Croix-Rouge, mais aussi un employé de l'agence de Maria Golanta. Un réseau bien organisé qui profitait de cette manne financière, 30 000 francs par test, de quoi se faire plein les poches, surtout en cette période de haute saison où les vacanciers en séjour aux Comores doivent absolument rentrer. Comme une montagne qui se cache la forêt depuis l'apparition de la pandémie, beaucoup profitent de la situation pour se faire des sous. On apprend également que des vrais fausses passes sanitaires sont sous le viseur des enquêteurs. Là aussi, des personnes disposant des carnets de vaccins contre la COVID-19 sont la moindre piqûre. On soupçonne un réseau de vente des passes dans le domaine. Une fois attrapée, la personne risque des peines punies par la loi pour mise en danger de la vie d'autrui. Reportage commenté par Laïda Sidi. Suite de cette édition, Abouharia Saïd Abdallah, candidate unique, a été élue ce samedi rédactrice en chef à Alouatane. C'est la troisième fois qu'une femme occupe ce poste depuis la création de ce quotidien. Reportage de Oussamidine Benhamed et Ibrahim Mkavavo. Comme à l'accoutumée, la rédactrice en chef du quotidien Alouatane a été choisie ce samedi au cours des élections. 26 électeurs ont été appelés à déterminer leur chef. Ce sont des élections sans opposition qui ont eu lieu, ce qui n'est d'ailleurs pas la première fois. Le journal Alouatane organise, comme à l'accoutumée, des élections du rédacteur en chef suite à la démission de l'ancien rédacteur en chef Abdallah Mzimbaba. On organise aujourd'hui l'élection des nouveaux rédacteurs en chef. On a un seul candidat. Ça se passe comme ça. Ça ne se passe pas comme des confrontations, mais gérer une rédaction, c'est une cohésion, c'est être ensemble, c'est une équipe. Donc on a une seule candidate, qu'il s'agit de Mme Abouharia Saïd Abdallah. Intégrée à Alouatane depuis 2008, Abouharia Saïd Abdallah a été élue rédactrice en chef par acclamation pour remplacer Abdallah Mzimbaba. Sur 24 votants, elle a obtenu 16 voix contre 8 nuls. La nouvelle rédactrice envisage un nouveau programme. Sur 26 inscrits, et 24 ont voté. Il y a eu 2 nuls et j'ai été élue par 16 personnes. Et ainsi, j'appelle mes collègues, mes consoeurs, mes confrères journalistes à m'accompagner. Également, j'ai un programme que je compte mettre en place pour rehausser le niveau du journal qui est un peu plus bas depuis quelques mois, pour ne pas dire quelques années. Je chercherai également à doter un moyen de transport pour le journal, et ainsi organiser les formations internes, surtout pour les nouveaux, et plusieurs autres programmes que je compte mettre en place. L'élection d'Abouharia Saïd Abdallah va-t-elle mettre fin aux revendications des journalistes qui étaient en grève il y a presque 3 semaines? Affaire à suivre.